Konnichiwa, c'est Gunmanga et on se retrouve pour l'épisode 5 et le dernier bien sûr de la peur selon Gunmanga. Bon, ici on aura un top 5 des plus grands meurtriers voire les assassins dans les mangas et ce sera bien sûr mon avis personnel. Ensuite je tiens à dire qu'il n'y a pas que dans les mangas gore ou tout ça il y a des meurtriers ça, ni dans les, que dans les mangas policiers ça, il y a aussi dans les mangas comiques ou dans les mangas de combat tout ça, comme dans les Chevaliers de Zodiac, il y a des méchants tout ça, si vous comprenez bien ce que je veux dire, voilà. Donc je vous invite à donner votre avis dans les commentaires tout ça, sur ce, bonne vidéo à vous. Ce manga n'est peut-être pas le plus manga, le plus gore ou tout ça que nous connaissons. Mais imaginez-vous bien, imaginez-vous que vous travaillez pour quelqu'un, que vous avez confiance en lui, que vous lui donnez toute votre force et que vous entendez comme les doigts de la main tout ça. Et un jour que cette personne détruit votre planète. Et c'est ce qu'a fait cet homme, ce tyran du nom de Freezer, c'était froid. Il a exterminé tout un peuple de guerriers qui travaillaient que lui, qui le vénéraient et même ses propres hommes. Tout ça pour le pouvoir. Maintenant, de cet animé assez comique, essayez de trouver qui du garçon ou de la fille est l'assassin. いや、さくら君、こんなところで人が?ドクロちゃん、僕と約束して。何?何でも言って。学校では絶対誰も撲殺しないって。もしダレカをバットでぶったら絶好だからね。何?その意外なこと言われたみたいな顔は絶対誰かを撲殺したらダメなんだからね。いや、嫌じゃないでしょ?嫌だ! A partir d'ici, la vidéo risque d'être particulièrement sanglante. Allez à 1 minute 39, je vous avais prévenu. L'anime que je vais vous présenter à présent est un anime qui a du succès en ce moment. Et l'estrée dont je veux montrer montre deux blondes. Alors essayez de deviner la vraie tueuse. この家の人間がやったのか。そうだ。護衛たちも黙っていたので同罪だ。嘘よ。私はこんな場所があるなんて知らなかったわ。辰巳を助けて私とこいつらとどっちを信じるのよ。辰巳だろ。俺だ。家康?俺とサヨはその女に声をかけられて 虫を食ったら意識が遠くなって気がついたらここにいたんだ。その女がサヨをいじめ殺しやがった。何が悪いって言うのよ。お前たちは何度やっても勝てない地方の田舎の子でしょ。家畜と同じ。それをどう扱おうが私の勝手じゃない。大体その女家畜のくせに髪がサラサラで生意気すぎ。私がこんな強くて悩んでるのに。 L'anime que je veux montrer à présent est l'un des mangas qui a été le plus gore de son moment, enfin son épaisse, au moment où il a été diffusé, a été interdit au moins de 16 ans. Mais la scène que je vais vous montrer au début est tout public, ensuite je vous montrerai la scène gore. Elle fait peur. Et cette musique? Oh! Elle a fait tomber la boîte à musique! Oh non, s'il te plaît, arrête! Ne faites pas ça, arrêtez de vous battre! Non, ne t'approche pas maintenant! Ah!
Je t'en supplie, arrête! Alors, vous pensez qu'il y a pire que Lucie? Eh bien, je vais te dire que oui. Mais contrairement à Lucie, cette personne est une personne très intelligente qui ne tue pas dans le gore. Et sa vidéo est tout public, bien sûr. Et il se prend pour un dieu. Vous avez deviné c'est qui? Et oui, ce n'est autre que Light Yagami, le personnage principal de Death Note. Comme le dit son titre, Death, la mort, une note, le cahier de la mort. Oui, exactement. Bon, comme vous l'avez vu ici, la plupart de ces mangas ont un rapport avec la mort. Comme Death Note, Akamega Kill, Dragon Ball. Bon, ça n'a pas de rapport avec la mort, mais la scène que j'avais vous montrée est complètement apocalyptique avec la planète qui explose. Ou même l'ange de la mort que vous avez vu tout à l'heure. Et bon, comme c'est fini, je peux maintenant vous dire des choses sur les mangas. Sur ces mangas. Par exemple, pour Dragon Ball, pour ceux, on peut vous spoiler quelques scènes, puisque, bon, c'est pas grave, c'est un ancien manga. Mais pour Dragon Ball, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, ce sera le fils de celui qui est mort qui va prendre sa place et qui va pouvoir le venger et tout ça. Et j'espère que vous likerez ce manga. Ensuite, pour le second où il y avait l'ange, cet ange en fait n'est pas si méchant que ça. Si elle fait ça, c'est tout simplement parce qu'elle a mauvais caractère, oui, mais elle aime en fait le garçon en secret. Tout ça, elle veut le protéger, voilà. Ensuite, pour Akamega Kill, là, c'est tout autre chose, je ne peux pas, il y a des combats, il y a tout ça, c'est un peu un Infant Hild, un petit peu plus tout public, tout ça. Mais je vous conseille quand même de regarder. Ensuite, Infant Hild, bon, ça, moi-même, j'avais pas voulu regarder, mais finalement, j'ai regardé, j'ai pas regretté. Je veux dire que c'est un moment, malgré cette scène-là, le manga n'est pas complètement comme ça, il y a une histoire, et je vous conseille de regarder avant de juger. Mais ne regardez pas l'épisode 1, bien sûr, parce que c'est vraiment, ça fait peur, l'épisode 2, c'est regardable. Non, l'épisode 2, non, 4. 4 plutôt. C'est plus regardable, voilà. Ensuite, pour le 4, nous sommes quel manga? Le numéro 1, Death Note, bien sûr, ça c'est tout public, vous le regardez tant que vous pouvez. Le thème est à présent terminé, enfin le thème sur la peur selon Gun Manga. J'espère que vous avez bien eu peur, en tout cas, et bien passé de bons moments quand même. Bon, sur ce, on se retrouve pour le prochain thème que je pense que ça va vraiment plaire à tous les fans du Japon, du manga, de tout ça, c'est obligé, enfin j'espère en tout cas. Sur ce, pensez à bien manger et regarder un bon manga. Sur ce, je me répète, sayonara. この番組は東宝、ソニーミュージック、スクウェアエニックスの提供でお送りします。